Ici au quartier Commando, des ordures ménagères jonchent çà et là. Cas identique sur cette avenue très fréquentée à Bali. Devant ce garage automobile à Akwa, ces immondices courtoient la chaussée. Un état de fait qui montre que la ville de Douala peine encore à se débarrasser de ses déchets à quelques semaines des fêtes de fin d'année. C'est pas vraiment une bonne chose, puisque ces histoires durent déjà beaucoup longtemps. Dans presque toute la ville de Douala, on constate qu'il y a beaucoup d'ordures partout. Partout, honnêtement, c'est pas seulement ici. Hein. C'est vrai que la communauté, peut-être, ils essayent de faire leur travail, mais là, ça vaut pas la peine. Nous sommes presque déjà en période de fête comme ça, là. Toute la ville est sale. Franchement, que Zakam essaie de rectifier la ville. On ne peut pas recevoir une nouvelle année dans la saleté. La mairie de la ville et l'entreprise en charge de l'hygiène et de la salubrité sont ici interpellés. En amont, ils sont plus d'un à soutenir que les populations elles-mêmes sont les premières responsables de ce désastre. On dit souvent que l'homme noir, s'il veut tomber dans le trou, mieux de le laisser une fois. On a tant dressé ces gens, mais ils ne comprennent pas pour bac à ordures, là, ils ne savent pas. Ils viennent, peut-être comme il y a le bac comme ça, ils viennent, ils jettent, au lieu de jeter dans le truc, dans le bac à ordures, ils préfèrent plutôt laisser par terre et partir. En réalité, les fêtes de fin d'année arrivent, nous devons quand même être propres dans nos maisons, dans nos rues, pour que tout le monde se sente à l'aise. Il revient donc à chacun de donner du sien pour une ville propre.